Bon, ce matin, je peux vous dire un bon petit feu. Parce que, encore une fois, regardez, Iris, quand on respire, ça fait de la fumée. Et tu fais un petit café. Ouais, petit café. Là, ça a remonté déjà de 2 degrés, mais il faisait 8 tout à l'heure. Enfin, là, juste avant. 8 degrés. Ma femme, je sais pas ce qu'elle fait. Elle écrit un roman, là. Tu fais de beau? Je prépare la vidéo de la tablette Oukitel. Ah là là là. Voyons. Ça en fait des rédactions. Ah, parce qu'on a reçu une tablette et du coup, elle m'a dit, oh, je vais faire la présentation avec Lily, comme ça. Ça m'en fera une de moins à faire. Pécable. Bon, allez, café. Ah, au fait, oui, nous, on va bouger aujourd'hui. On va aller se promener un petit peu, bah, pas loin. On va aller chez Mika et Jess, dit Joe Baroud. Voilà, bah, pour passer un week-end avec eux, changer un peu de spot. Et puis, bah, voilà, quoi. Et puis, on fera sûrement, alors ça, c'est un bon. Encore une fois, j'aime pas annoncer trop des plannings qu'on va pas faire. Mais normalement, je vais aller aussi, du coup, chez le père de Jess, qui a une fosse poids lourd. Comme il avait un magasin, enfin, pas un magasin, une société de dépannage poids lourd. Pour faire les points de graissage d'Obélix. Voilà, vous verrez ça lundi ou mardi. Là, on est samedi. Allez, bisous. S'il fait, lui, ton frein à main. T'as pas laissé ton frein à main. Oh là là. J'ai vu que quand il partait, ça forçait. Là, j'ai allumé le téléphone. Bon, allez, nous, on va bouger. On va dire au revoir aux potes pour 2-3 jours. Et puis bon, on revient bientôt. Hein. Oh, Bélix a bien démarré. Il est chaud, patate. Prêt à rouler. Impeccable bien. Bon, du coup, on vient de s'arrêter au surplus militaire là. On hésitait à acheter des caisses. Vous allez, bah, vous verrez la découverte. J'ai un abonné qui vient de s'arrêter. Il était trop content de nous voir. Je sais pas s'il est parti. Je crois que oui. Allez, je vais aller chercher de quoi payer les caisses. Puis on va s'acheter des belles petites caisses. Ah bah, il est là-bas l'abonné. Ah voilà, du coup, les caisses militaires qui vont remplacer celle-là, on en a 4. Ça va être parfait. Au top. Bonjour. Bon, on est arrivé chez Mika et Jess, du coup. Attends, viens. Mieux connu sous le nom de Joe Baroud. Et bon, on a reçu les colis, hein. Donc on va ouvrir les colis. Ah là, je sens qu'elles ont voulu me chourer quelque chose dedans. Attends, on va prendre un couteau parce que... Bon, du coup, petit colis avec un petit mot sympa. Salut le Gaulois, sa petite famille. Je suis un simple abonné et j'avais envie de vous faire un petit coucou de Marseille. Il doit faire meilleur qu'ici, Marseille. Avec ce petit colis que je vous offre avec grand plaisir. C'est avec grande satisfaction que je regarde votre chaîne tous les jours. Longue vie et bonne continuation à vous. Des bisous, Yves. Eh ben, merci beaucoup. Bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. Petite bouteille de jaune, putain, à la froid au cul là. Ouf! À la froid au cul. Une petite huile. Bah, du coup, la 8-6, elle est fraîche par contre. Impeccable. Ah, t'as vu, c'est les 8-6. Ouais, nos trucs édition là. Des bons becs. Ça, c'est pour moi ça. Ça, c'est pour Bouboule. Ah non, faut que j'arrête de dire ça après les gens, les abonnés me disent hein, dis pas ça à ton fils, si on fait des complexes. Des complexes d'infériorité. Là, c'est quoi ça? Apéro culte. Ah ouais, bah tiens, on testera. Et il a tout prévu, hein, l'apéro, les desserts, nickel. Ça va être bon ça. Ah bah ouais, ils sont gelés là. Et une petite, comment dire, boîte souvenir quoi. Non, il y a un truc là. Avec des bons petits pâtés. Bah écoute, on va se régaler. Ah bah du nougat, ça tombe bien, on est à Montélimar. Ah non, c'est pas du nougat. Si, nougat. Si, nougat noir. Eh bah c'est cool, merci beaucoup. Bruno Le Gaulois, il va me faire la pub un peu. Oh la vieille qualité de téléphone pourri. Il est aussi vieux que toi le téléphone. Ah, il faudra un iPhone. Il faut appeler Apple qui t'offre un truc sur YouTube, tu vois. Mais boire un coup chez Alan. Un iPhone 15 Pro Max, s'il vous plaît, Apple, pour le YouTuber Le Gaulois. Alan, chemin de la Bergerie. Non, c'est pas là. Non, chemin de la Bergerie, c'est chez Joe Baroud. Ah putain, faut pas le dire. Ouais, faut pas le dire. Alors, mais venez manger pizza et puis
boire un petit coup chez lui. Voilà. On se fait un coup. On se fait un petit coup de fléchette. Ouais, je suis en petit bois. Bon, Alan, j'allais montrer ce que c'est l'ambiance chez Alan, là. Tout est tombé par terre, là. Tombé par terre, là. Là, tu connais Marat. Ah, ouais, c'est ça. Alors, attention. Là, on est chez Alan, attention. Bon, Bruno. Allez, c'est parti. Terre brûlée. Alan. Oh, Alan. Regarde. 5, 1, 2, 3. Ah, il a encore niqué la, le Bluetooth. Ah, vas-y, on fait bien. Vas-y. Ton téléphone, j'ai le Photoshop. Regarde, c'est la faute. Comment il fait ça? Ah, il y a le coupable ici, là, je pense. Laisse-la en l'air. Incriminé pas. Je pense qu'il y a un complot, Est-ce que tu veux que je sois une magouille? Ouais, il nous arrête. Je vois qu'il vient de du nord colore la terre. Les lacs, les rivières, c'est le décor du Colémarin. Boire un coup chez Alan. Bon, je sais pas, est-ce qu'il est comme ça tous les soirs? Non. Là, c'est exceptionnel. Qu'on aime tout le prix du silence. Moi, c'est des bars où il y a de l'ambiance. Bon, là c'est la fin de la soirée chez Alan. On a passé une bonne soirée. Et je sais pas, il m'a fait une tradition. Et c'est quoi c'est du coup? Du Ricard, du Jet et un glaçon. On boit ça comme ça, on tape, on trinque et on boit cul-sec. Ah, cul-sec? Ah, je suis pas fan des cul-sec moi. Jet, Ricard. Pas les cul-sec, j'aime bien les chatouilles. Va, va. Ouais, les chatouilles pas trop. Allez. Allez, cul-sec. Oh, ça va, ça passe. Allez. Oh, ça passe tout seul. Ça passe. On appelle ça la tradition. Allez. Tous ceux qui passent au bar, il a pas le. Donc, si vous êtes sur Montélimar, passez voir Alan. Non, pas Montélimar, Ancône. Ancône. Bah, à côté de Montélimar, quoi, Ancône. Venez la part du Gaulois, vous aurez 10%. Non. Si tu mets ça sur YouTube. 5%, sinon je porte plein de coups. Je vais pas gagner grand chose, frère. Bon, du coup, le retour de petite soirée, on va dire un petit peu arrosée quand même. Légèrement. Un petit peu, quoi, léger, quoi. Voilà. Donc, on va faire une bonne petite soirée purée. Reste de purée. Hein? Certains plus que d'autres, ouais, j'avoue. On dira pas qui certains. Je crois que c'est sans la majuscule. Tu sais, en gros, ce qu'elle dit dans le message, je crois que c'est l'inverse. Bon, du coup, il y en a qui sont complètement malades. Ils sont partis en boîte de nuit, je sais pas quoi. Là. Non, pas encore. Non, mais en soirée, truc. Nous, on se fait une petite assiette. Oh là là. Petite assiette bien comme il faut. Purée, soupe à l'oignon, tranquille, avec un petit peu de gruyère, avec un petit peu de tabasco. Et franchement, ça, c'est un délice. Il n'y a pas besoin de soirée, de boîte de nuit, de trucs. Hein. Et du camembert et du fromage de chevaux de souris. Voilà. C'est trop bon. Tout ça avec un petit bon petit feu, ouais. Un petit poêle à bois. On est au top. Ouais. J'ai bien fait. Il est crémeux. Il n'y a pas besoin de plus pour être heureux. Il en faut. Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Une petite purée et une soupe à l'oignon. Un peu de gruyère et du tabasco. Une pub là.
Et du camembert. Non, on n'a pas de pain. Un peu de pain frais et tout ira bien. Et on se régalera. Ah, il y a les pains hamburger. Bon, aujourd'hui, on va en profiter qu'il fasse beau. Ma petite chérie, à brique à brique. Un peu de rangement. Et je vais aller retirer les mâles. Mano, il est en train d'installer. Mika, il lui a filé un convertisseur 800 watts. Du coup, il est en train de l'installer. C'est bon, ça marche ? Ouais. Et c'est bon, il est pas en... le ventilo n'est pas en route constamment ? Non. Ouais, celui-là, c'est juste quand tu tires dessus. Ce sera mieux, je pense. Bah, déjà, même pour le bruit, ça va te faire bizarre. Puis entendre. Vous. Ouais. Moi j'ai monté un. En fait j'ai changé de batterie. Enfin j'ai récupéré des batteries que Mika m'a filé, qu'il avait en plus, que j'ai rajouté du coup dans le pack batterie. Et du coup je profitais parce qu'on savait pas trop si le Cyrix. Vous voyez le Cyrix c'est le coupleur. En fait c'est le coupleur, mais qui se gère tout seul, c'est automatique, avec les batteries moteurs et les batteries cellules. Sauf que lui, j'ai l'impression que des fois il me fait de la merde. Il se découple pas au truc. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rajouté un coupe-circuit. Après le Cyrix, donc au départ du Cyrix jusqu'à mes batteries cellules, j'ai coupé comme ça je peux moi-même mettre le Cyrix ou pas en route. Comme ça on peut gérer à peu près si le Cyrix il fait de la merde ou pas. Je sais pas. Alors ce que je pourrais même carrément faire normalement, c'est carrément retirer le Cyrix et mettre que la vanne d'arrêt entre en fait qui coupe le plus qui est relié des batteries moteurs aux batteries cellules. Je pourrais le gérer moi-même, mais bon. Je préfère quand même laisser le Cyrix. Et là, on va attaquer, du coup, comme il fait beau, on va vider les mâles là-haut, les grises, les pourries. Et du coup, on va voir comment on répartit les nouvelles, les petites mâles militaires qui sont là. Elles sont bien sympas d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va monter là-haut, il y a du tri à faire et puis il y a du boulot, quoi. Ah, vous voyez, celles-là, elles sont plus que mortes. Elles sont vraiment plus que mortes. Ok, on va retirer tout le bordel. Qui y a là-dedans ? Oula ! Bon, bref, on va retirer le crochet, tout. On va tout vider, les mâles qui n'ont plus de couvercle, tout trier. Et puis, répartir dans ces mâles-là. Alors, vous voyez, elles ont pas mal de points de rouille, de trucs. Mais c'est vraiment pas perforant. Je peux vous dire que c'est du costaud en dessous. Donc, l'idéal, il aurait fallu les gratter et repeindre. Mais bon, on les a payés 25 balles pièce. On fera ça quand on aura l'occasion, enfin quand on aura envie de faire. Et sinon elles sont stylées là, petite malle militaire. Alors bien sûr on va pas pouvoir remettre la même chose dans les malles là qu'on avait dans les grandes, mais bon on va se débrouiller. Là celle-là c'est vraiment trop morte, de toute façon après l'eau et tout. On va faire un truc plus propre quoi. Bon, vous voyez c'est des sortes de. Apparemment c'est costaud. Des sortes de grenouillères comme ça là. C'est bien costaud. Hein. Et je peux vous dire que celle-là, ça fait un bail qu'elle n'a pas été ouverte. Excusez-moi, je renifle, mais ça caille. Voilà. On retire ça, le plombage, là. Hop, poubelle. Et dedans, en fait, je sais pas ce que ça transportait, ça. Mais sûrement des sortes de missiles ou je sais pas quoi. Ça, c'est tout capitonné comme ça de mousse. Ah, il y a encore les papiers dedans. C'est papier de quoi ça? Alors attendez. Oh bah ça date à 2012. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Plan, plop, truc, pas des sables. Bon bref. Vous voyez, elles ont toutes des gros joints comme ça. Elles sont bien costauds. Hein. Elles ne devraient pas prendre l'eau normalement. Après c'est un peu chiant à fermer parce que du coup faut refermer tous les côtés. Mais bon, on n'y va pas souvent dans les mâles, donc ça va le faire. Allez. Bon, du coup ça commence à prendre forme. Commence à ranger, mais j'ai un de ces bordels. J'ai un bordel pas possible. Quoi ce bruit? Voyons, fait du bruit. Hein. Ah, c'est un avion qui décolle. Ah, j'ai pas fait gaffe au fait. Ah bah on les voit plus là. Il y a la brume qui est tombée, mais on voyait les monts enneigés là-bas au fond. Sympa. Donc voilà, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là-bas, un petit coucher de soleil ce soir, et il y en a une là-bas. Mais bon, il y aurait un tri à faire parce que pff,
Du bordel. Mais bon, on va bien réussir à trier tout ça. Ah, je crois qu'ici, ça a commencé les petites décorations de Noël. Avec mon calendrier Stitch. T'avais même pas vu. Au revoir. Avec mon calendrier Stitch. T'avais même pas vu même. On se prépare un petit apéro dînatoire avec Mickey et Jess. Regarde mon calendrier Stitch. Ouais. C'est bien sympa tout ça. On va pas trop traîner, hein, parce que hier on a bien fait la fête chez Alan là. Alors, on va y aller mollo ce soir. Regardez, on va se faire des petits crocs McDo avec le jambon de la récup. Regardez les tranchées épaisses. Tu pourras me mettre un lien. Franchement. Tu pourras me faire. Je sais pas si je la divise ou si je le fais. Ah ouais, ça, ouais, je pense. Hein. Ouais. Ouais, ça va être chiant, ouais. Donc, non, je vais le faire. Non, bah sinon. Tu fais des petites lamelles, sinon tu coupes des lamelles. Ouais, non, tu... non, t'inquiète, je vais le faire avec. Avec un grand couteau, ça va être bien. Ah, allez, je vous montre. Ah bah, elle est retournée. Aura, je voulais vous montrer le gros pépère. Aura, elle est retournée avec lui. Très gros. Bah, si, il est gros. Il est énorme. Il est pas gros. Bah, c'est un Warren. Bah, attendez, je vais mettre le flash. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bah, je crois que je peux le mettre pendant que je filme. Le flash, c'est cool ça. Allez, gros pépère. Aura, pousse-toi, on va pas tomber. Oh, petit caille là-dedans. Oh, il est énorme. Regardez-moi ça, c'est une vraie boule. Bon, pour ceux qui suivent nos vidéos, là, c'est la maman de Rio et de Ragna. Vous n'avez pas touché au tel de mort. Donc, Rio, le chien d'Antoine et Malicia. Et Ragna, là, une des chiennes de Léa. La gueule. En train de dire, il parle de moi, lui. Elle est belle. Tiens, on est en train de goûter un petit pastis, là. Pour ceux qui connaissent, pastis de Saint-Tropez. Le 12-12. Oui, c'est... Je connaissais pas. Bon, ça va, c'est bon. Hein, c'est un petit goût, comment dire, différent, mais... ça passe, quoi. Voilà, si vous voulez connaître, faites une petite pause. Bah, va charger. Ouais. Le mélange de toutes ces histoires et celles qui restent encore à écrire. Ce qui tombe bien puisque pastis est l'expression provençale qui signifie mélange. Ah bah tu vois, je savais pas ça. Ah c'est ça, c'est trop bien. Ça a l'air trop bien. Tous les ingrédients du 12-12 pastis de Saint-Tropez sont 100% naturels et garantis sans colorant ni conservateur. Non, Comment t'as l'air aussi? Non, mais hier soir, mais laisse tomber, comment je tremble, chaud. Ouais, non, mais là, ce soir, on sent qu'il fait frais, là. Hein. On a mis le feu, mais bon, il végète un peu, là, faut qu'on le, voilà, qu'on le réanime. Et on va se faire une petite assiette de purée, soupe à l'oignon, reste de fromage, tout. Avant d'aller se poser dans le lit, sous la couette. Parce que sous la couette, on est toujours trop bien sous la couette. Parce que hier on en a pas. Il y en a qui sont en mode geek là. Avec une petite soupe. Genre, tu sais que hier on a même pas regardé plus. Man, montre le là. Ah, Jojo s'est mis des petits croutons dans mes hauts. Bah, moi aussi. Ah, moi je crois que je vais en mettre aussi, petits croutons à l'ail. Moi aussi, ça. Regarde. Ouais. Comme dans les pubs. Ah, on va relancer le feu là, parce que là. Là vraiment, il fait frais. Bah, on le sent hein, quand même. Là, il doit faire moins 2, moins 3 dehors. Donc là, on sent bien quand même. Mais bon, avec le poêle à bois, ça va, ça le fait. Et c'est à 14 ans, Fontaine ? Non, ça, bah, ça dépend. Bah, du coup, c'est tellement bon, je vais me refaire une deuxième assiette. Hein, parce que là, vraiment, c'est trop bon. On va se racler un petit peu de thym dessus. En fait, là, il y avait une couche de moisie, je viens de donner au chien. Je peux vous dire qu'il y avait une couche de moisie là. Vous retirez la couche de moisie, regardez le fromage, il est comme neuf. Ah, encore un petit peu de moisie là, bon, rien de grave. Et franchement, je vais en râper un petit peu de ça sur l'assiette là. Un délice, un vrai délice.
mais regardez-moi cette petite soupe gourmande. Franchement, avec de la tomme, de la bonne tomme comme ça, bien râpée dessus. Trop, trop bon. Ah ouais, c'est bon tout ça. Bah oui, hein. On se régale. Bon, t'as bien dormi, Tigrou ? Oui, il est moins froid. Ouais, elle a moins caillé cette nuit. Mais bon, vivant la Corse quand même. Comment il fait là ? 9 degrés, 8 degrés. Bon, bien sûr, on a remis un feu en route. Oblige. oui, d'ailleurs, tiens, je parlais vivement la Corse, mais on va peut-être faire en fait la Sardaigne d'abord. Enfin, on va voir. Parce qu'en fait, vaut mieux aller au plus chaud pendant qu'il fait froid et remonter par la Corse. Comme de toute façon, apparemment, on pourra pas refaire. On pourra pas faire Corse, Sardaigne, Majorque, Ibiza. Parce qu'en fait, de Sardaigne, on peut pas aller. Il n'y a pas de ferry qui vont à Majorque et Ibiza. Donc, il aurait fallu faire Corse, Sardaigne, Espagne. Et d'Espagne, aller à Majorque. Alors, bon, on verra. Je pense qu'on va se limiter à Corse, Sardaigne, à mon avis. Et on rentrera par la France, quoi, du coup. Pour cette année. Pour cet hiver, comme l'hiver est plutôt bien. Comment dire, bien entamé, quoi. T'as dit un truc ? Non, j'allais dire, mais en fait, non, ce serait pas une bonne idée. J'allais dire, on peut aussi rentrer par l'Italie, mais... Ah oui, oui, ouais. Serait... on verra. On verra, encore une fois, pas de planning. Au jour le jour. Et là, on est vraiment pressé d'avoir une date d'examen pour Mano, parce que... Et il arrive pas, il nous dit, en ce moment, il n'y a pas de date d'examen, je regarde mon planning à chaque fois, et je vous tiens au courant. Donc, on attend. Tout ça me plaît, man. Allez, aujourd'hui, on va aller acheter, essayer de trouver les élingues. Enfin, je sais pas, non, parce que c'est des tendeurs, c'est pas des élingues. Les tendeurs, vous savez, à visser, bah, vous verrez quand on les aura achetés, pour fixer sur les poignées des mâles militaires là-haut, et à la galerie, comme ça, ça va les fixer au sol et ça bougera plus. Mais bon, faut qu'on trouve ça. Parce qu'à Montélimar, il n'y a pas de ouf, de grand... Enfin, si, il doit y avoir quand même. Je crois qu'ils nous ont dit qu'il y avait un Leroy Merlin, mais un petit... Il y avait un tout petit Leroy Merlin qui se demandait même pourquoi il était là, quoi. Que... Ouais, donc faut qu'on trouve un... Il suffit d'avoir ce qu'il dit. Ouais, ou il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir, je sais pas, moi, des bricocages, des trucs comme ça, je sais pas. On va voir. On va essayer de trouver ça aujourd'hui. Voli, voilou. Allez, bisous là, tout à l'heure. Jojo, ton calendrier de calendrier. Et la pluie s'est invitée aujourd'hui. C'est un peu chiant. Jojo, il est là. Bon allez, go à la déchette en mode détrempé. Ah, qu'est-ce que c'est chiant ce temps. Mais bon, faut bien avancer dans la vie. Allez, c'est parti, on a démarré le patapouf. On va y aller. Bon, je crois que le feu il est en forme là. Très en forme même. C'est bien calme de ce côté ce soir. On va manger un gaz. Ouais. Un pot-au-feu. Papa, on pourra bientôt refaire du canard citron. Ouais. C'est ma viande préférée. Quand il m'a envoyé le message, Mika, ce soir on mange un pot-au-feu. Je lui ai dit, c'est qui le pote ? Non, j'ai compris. Bah, c'est pas dur à comprendre. C'est le pote qui va prendre au feu. Hein ? Regarde-moi ce petit pot-au-feu là. Ah, ah, ah. Ça se découpe tout seul. Avec les petits légumes du jardin. Bon, pas tout. Pas tous. Par contre, la saucisse, elle, c'est qui ça? Ça, c'est. C'est la saucisse du voisin. C'est des restes de ton ancien métier. Tiens, pas gros, c'est pour ça. Vas-y, casse-moi le téléphone, toi. Tu peux pas te sortir, il y a Naya dehors, tu vas te faire défoncer. Si je t'ouvre maintenant, tu vas te faire défoncer. Il y a Naya dehors. Et ouais. Non, on va rentrer Naya avant. Allez. Ah, il a fait moins froid cette nuit. Il a combien ce matin? Ouais, 10. 9.
Allez, café. Ça, ma chérie. Je peux pas vous ouvrir pour le moment. Alors, c'est reparti dans le crochet ce matin? Ouais, je veux des moufles. Des moufles? On l'aime. Bon, allez, moi je vais attaquer mon montage du mardi. Eh ouais. Il faut. Regardez comment on arnaque un chien avec du saucisson. On va descendre. Devant la porte. Du coup, je vais enfermer avec du saucisson. Comme ça, elle ne peut pas aller se battre. Arrête. Donc c'est la mère, je vous l'avais dit, hein, la mère de Ragna et de Rio, pour ceux qui ont suivi. Rio, c'est le chien d'Antoine et Maïssia. Et Ragna, c'est une chienne de Léa et Dylan. Allez, tu vas aller dehors, toi? Mais tu te fous de moi. Ah, donc du coup, ça y est, les petits moufles. Regarde, ça c'est mon premier et ça c'est mon deuxième. On voit que celui-là, il est mieux fait. Il est plus rond, ouais. Et celui-là est plus pointu, en fait. J'ai fait une autre technique et c'était mieux comme ça. Donc c'est toujours pas les préservatifs pour t'y aider, non? Ah non, toujours pas. Et donc le pouce libre, c'est normal, hein. C'est Jojo qui voulait, comme ça. Bah après, pas besoin si j'ai une chouette. Arrête un peu avec tes écrans, toi, là. Lui, il commence à devenir accro aux écrans, là. Bon, après, comme on dit aussi, c'est l'hiver, on fait beaucoup moins d'activités dehors, du coup, c'est un peu plus dur, de leur interdire les écrans, quoi. Mais bon, on essaye quand même. Et Lily, je crois qu'elle veut que je lui fasse la même chose, mais en mitaine. Et tu sais que la soupe, là, je crois qu'elle est encore bonne, hein. La soupe à l'oignon. Ça fait combien de temps on l'a fait? Au moins une semaine, facile. Un peu moins, je dirais, quand même. Ouais. Mais comme il fait froid... Ah, pardon, je marche sur la patte. Comme il fait froid la nuit, du coup, fait ça se conserve bien. C'est la grosse gamelle comme ça, on peut pas la mettre au frigo. C'est bon, là. Ouais. Ah, et je crois qu'elle est encore super bonne. Peut-être en remanger, tout à l'heure, ce midi. Une bonne soupe au crouton à l'ail pour ce midi, là. Oh, on s'est régalé hier avec le pot-au-feu de Joe Barou, de Mickey Jess. Bah, et franchement, il a commencé à regarder, c'est... Il s'est fait une petite serre sous une serre enterrée. Voilà, une serre enterrée. Il commence à regarder les vidéos de Damien Descartes, tout ce que je faisais avant en permaculture là. Il s'est planté plein d'arbres fruitiers. Comme je dis, hein, bientôt, Mika, on va le retrouver à faire l'amour aux arbres. Non, mais c'est bien. Là, on a mangé les navets du jardin hier. Et c'était trop, trop bon, quoi. Ouais, et à mon avis, les patates aussi, c'était du jardin. Non, il y avait une patate du jardin. Ouais, il avait pas beaucoup encore. Il y avait une carotte du jardin et quelques patates. Mais il s'est fait un beau petit potager, hein, franchement. Il... C'est vrai que c'est agréable. Bon, nous, on triche maintenant, en fait. On prend les légumes des abonnés. Ils bossent pour nous, comme les bonnes tomates de Billy. Oh là là. On se régale. Bon, du coup, j'ai reçu mon nouveau thermostat de frigo. Donc, on va pouvoir monter ça, hein. Espérons que ça tourne comme il faut après, quoi. C'est parti. Donc voilà, mon toit d'Obélix bien rangé. Du coup, les mâles, bah c'est bon, on va pouvoir... Tout est à l'intérieur. Alors, j'utilise ce petit tournevis pour ouvrir, parce que sinon, c'est un peu dur. Mais c'est, avec ça, c'est nickel. Donc, finir de ranger les 2-3 conneries qui restent à ranger. D'ici et de là... Quelques petits bouts de tuyaux, tout qui est en bas là. Hop, tout ça là, on va finir de ranger tout ça. Et ce sera nickel, ces petites malles militaires. Et ici, on va mettre tout ce qui nous reste de plongée. Ouais, tous les trucs de plongée, quoi. Les palmes et ainsi de suite. Voilà, allez, ma petite chérie. Tu peux donner les trucs? S'il te plaît. Ah, regardez, une belle vue sur Montélimar. Alors là-bas, là, on les voit pas, hein. Faut que ça soit vraiment dégagé, mais derrière les montagnes qu'il y a là, il y a des monts enneigés, alors je sais pas quelle chaîne de montagnes c'est. Bon, par contre, là, il y a une vision un peu moins sympa, c'est la centrale nucléaire. Mais bon, il faut bien de l'élec aussi, hein. Mais bien, là! Ah, ça arrive. Père Noël va descendre par la cheminée. Mais bon, on l'a tout fait sécher, en fait, avant de mettre dans les malles. Parce que sinon, ça sert à rien de mettre, comme elles sont étanches, les mâles, faut pas mettre des trucs mouillés dedans, quoi. Faut que ça reste bien sec.
Bon, les convives, on les a virées, en fait, elles ont trop pris le... On les mettait jamais, en plus, et elles ont trop pris... Ça, c'est beaucoup des palmes qu'on a trouvées dans les poubelles. Je sais pas si vous vous souvenez. Les tubas. Alors, il y aura encore des trucs à ranger, de toute façon. Ah, encore une palme. Et puis voilà, quoi. Allez, on va continuer à ranger. Ah, les masques. Bon, ils font un peu la tronche, mais bon. Eh, ils sont brûlants. Oh, on les avait mis à sécher. On les avait mis à sécher à la... Ah oui, ça, c'est les... La voile de traction. Ah, pareil, c'est que des choses qu'on utilise une fois tous les... Tous les je sais pas combien, mais bon. On est bien content de les avoir quand on les utilise. Encore un masque. Et voilà, les petites gouttes de pluie qui arrivent. Ça, ça a bien séché. On peut ranger. C'est bon, chérie ? T'as le courage de me donner dehors qu'il y a quelques tuyaux ? S'il te plaît ? Oh là, ça y est, il se remet à pleuvoir. Bon, du coup, regardez, on se retrouve dans une fosse. Fosse poids lourd. D'ailleurs, un grand merci au père de Jess qui nous prête une fosse poids lourd pour faire un petit peu d'entretien sur Obélix, comme je vous avais dit. Donc, Mano a réparé le faisceau électrique. Vous savez que j'avais arraché sur la souche, là. Chez Antoine et Malicia, donc on va tout scotcher ça proprement pour pas que ça se reprenne dans d'autres branches, dans d'autres trucs. Et puis, bah du coup, ça refonctionne nickel. Moi, je suis en train de faire tous les points de graissage, du coup. Donc, il y en a pas mal, hein, vous voyez, tous ces genres de points de graissage comme ça. Enfin, bon, bref, hein, je vais pas vous montrer tous les points de graissage, il y en a plein partout. Là, j'ai plus qu'à faire l'arbre de transmission, ici. Donc, vous voyez, les points de graissage là au-dessus. Il y a les points de graissage au croisillon, un peu partout quoi. Ici aussi, bon, en gros il y en a 26-27 à peu près. Niveau roue arrière, c'est pareil. Hop, les points de graissage sont faits, viennent d'être faits. Tu le fais passer où ou pas enfin, de quoi non ah c'est con, on n'ait pas pu le passer au-dessus du châssis. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Mais ah ouais. Ouais, ça aurait pu sécher mais bon. Mais si on l'avait passé là, au moins il s'accroche plus dans les branches. On va essayer de le mettre au mieux. Hein. Au mieux, de toute façon. On va essayer de plus l'accrocher, ce serait bien. Mais bon, ça m'étonnerait pas qu'on le raccroche. Hein. Voilà, voilà. Un petit Obélix qui va être tout neuf, tout neuf, tout neuf. Allez, je vous fais une petite vue du dessus. Alors, vous voyez, j'ai une fuite à la boîte de vitesse qu'on a mis. Je croyais que c'était au bouchon, mais non. Ça viendrait de là, plutôt. Il doit y avoir un joint spi derrière, là. Donc, c'est un peu plus chiant que ça fuit de là, mais bon. Ouais, on voit bien que ça vient de là. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis, on fera peut-être ça un jour. Voilà, il y a deux, trois... Bon, il n'y a pas grand-chose, il est en bon état, le petit père Obélix. Hein. Ah, tous les points de graissage des pivots de roue, tout ça. Bon, bref, il va repartir, comme en 14. Tout neuf. Bon, ben, ça y est. Les points de graissage sont faits sur Obélix, c'est cool. Bonne chose de faite. Vous vous rappelez quand j'avais acheté cette petite pompe à graisse, là? Franchement, elle est vachement bien. Parce que là, avec la petite pince, vous pouvez carrément accrocher le graisseur. Et du coup, c'est vachement mieux. Franchement, et là, en plus, c'est une, vous pouvez actionner la pompe à une main, quoi. Ça, c'est cool aussi. Bon, ben, on va tout ranger. On va virer ça, là, le... Du coup, tout ce qu'on avait cassé sur Obélix. Donc, ça y est, là, tout refonctionne, les freins. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait cassé sur Obélix. Tout refonctionne, les freins, tout ça, les feux, pas les freins, qu'est-ce que je dis, les feux stop, bon bref, tous les feux quoi. Donc c'est du nickel, ça fait plaisir, c'est reparti. Allez, c'est bien tout ça, mais il faut aussi ranger. Ah le bordel. Allez, on va se laver les mains, et puis nickel, nickel chrome. Ah, j'avais ça à ranger, oublié. De disqueuse, ah, je crois qu'il y en a un en bas. Bon, bref, vous savez, quand vous avez un hangar comme ça, c'est pratique. Hein. Bon, on a retrouvé l'air de camping-car avec son feu, les copains, bidou bidou avec mamie. Et des bonnes nouvelles. Bon, à 13 dans Patapouf là. 1, 2, 3. 4, 5, ce monsieur je le connais même pas, je sais pas, ils l'ont ramassé je crois. C'est le trottoir. C'est le trottoir.
Attends, je vais dire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je crois qu'il y a... Ouais, je crois qu'il y a une meuf derrière là. Ouais, elle est nue, mais il faut pas la compter. Bah ça va, c'est un je crois que c'est un 15 places carte grise. Donc nickel. Bah nickel. On aurait pu prendre deux personnes encore. Papa, il y a que le là. Ah oui, je l'ai oublié lui. Bah du coup, j'étais à combien? 15, 14. J'étais à 15, on est à 15 alors. Ah ouais. Allez, on est parti pour un petit resto chinois, bien sympathique. Qu'est-ce qu'elle mange Bidou Bidou? Mange des frites Bidou Bidou. Non mais regardez-moi ce Beepledum. C'est pas ta pouf. On croit un mini ours. C'est un mégalodon. Il commence à ouvrir ses yeux, t'as vu? C'est Godzilla. Mais trop chou. Je te jure. Papa, regarde. Ah, toi. Non, mais le secoue. Non, le secoue pas trop. Mais... c'est trop. Il est énorme. Punaise. Faut arrêter de manger, hein. Oh, pas ta bouffe. On a dû appeler Léa pour le voir. Ah oh, non, après ça va se. Non, après. Parce qu'il a mis lui passé. Va appeler Léa, George. Va appeler Léa. Tous les doudous. Il y a beaucoup de choux, hein. Bidou bidou, l'ami, son beau pyjama rose. Oh oui, est-ce qu'il y a le livre? Ah ouais. Ah ouais, les petits bonhommes. Bon, un peu de soleil ce matin, là. Ça fait du bien. Là. Un petit peu de soleil, mais ça caille. Hein. Apparemment, les potes, ils ont fait une récup de moule. Et nous, on a toujours notre soupe à l'oignon. Ça fait combien? Au moins 10 jours, elle est toujours bonne. Bah sérieux? Bah non, pas 10 jours, peut-être une semaine quoi, mais... Non, pas 4 jours. Mais t'es une grande malade, non, au moins 5 ou 6 jours minimum. Sûr. Vas-y, je reprends les vidéos, je te le sors. Alors, donc, après modification... Ah, c'est encore mis de travers la vidéo. Après modification... vérification, pardon. Donc, ça fait bien 9 jours. 9 jours. Mais elle est encore super bonne. Oh, vous savez, nous, c'est toujours ça. C'est, on je sent. Je ne vois pas le temps passer en ta compagnie, mon amour. Oh, c'est beau, ça. Comment dire? Non, je ne sais même plus. Vous savez, nous. Oui, nous, tant que ça sent bon et que au goût, c'est bon, on mange. Tout simplement. Papa, la porte. Allez, café. Oui, mais c'est à cause des manteaux, là, qui gênent tout le temps.